L'approche de concret dans ce programme, c'était vraiment une approche orientée résultat. Parce que la plupart d'entre elles sont assez débutantes, même certaines découvrent le digital, comment le mariage entre le marketing, la vente et le digital. Donc c'est très important d'être orienté objectif et d'être orienté sur des choses qui importent pour elles. Au-delà de leur donner des outils, notamment les réseaux sociaux, c'est-à-dire les canaux, donc les supports, les contenus, les canaux, les manières de suivre, etc. C'est vraiment de l'organiser d'une manière assez simple, donc en trois phases. C'est-à-dire comment est-ce que tu captes l'attention déjà comment est-ce que tu précises ta cible, à qui est-ce que tu vends. Ensuite, comment est-ce que tu t'organises à travers le digital pour capter leur attention. Une fois que tu as capté leur attention, comment est-ce que tu transformes cette attention en revenu, donc client. Et une fois que tu le transformes en revenu pour la première fois, c'est comment est-ce que tu t'organises pour qu'il reste le plus longtemps avec toi et qu'il consomme le plus et qu'il reste le plus longtemps possible avec toi, donc fidélisation. Donc on est parti de là en abordant bien sûr les concepts clés, mais ensuite en essayant de voir comment est-ce que les réseaux sociaux aident dans ce parcours-là, dont la finalité, c'est d'augmenter les revenus, donc d'augmenter les conditions de ces femmes par rapport à leurs activités. Formation bi dimbali nañu ci walum digitalisation surtout parce que avant dañ amone problème publication. Bo déggé mané publication manam bi nga am produit bi, di nga xam plateforme bi ng koy publier mais ban manière nga koy publier. Parce que ni ngay publier ce produit, c'est très important ndax impact à travers ce produit bobu nit ki do am accès ci yow ci produit bi lay am accès. Donc produit bi ni ng koy publier, c'est très important. Donc lolu dafa nekkone jafé jafé yu ñu doon am manam nan ngay jëlé photo ce produit, ban cadre nga koy défé ak nan nga koy défé de telle sorte que ku gis rek da fay am envie jënd ce produit. On va utiliser les portables qu'on nous a donné et continuer à appliquer les méthodes qu'on nous a données, comme par exemple ouvrir les pages Facebook, Instagram et WhatsApp du coup. Mais aussi avec l'accompagnement de mon stagiaire qui est avec moi et qui est avec nous au niveau de l'organisation, qui a un peu d'expérience. Même moi aussi j'ai eu un peu d'expérience, mais je ne vendais que par WhatsApp simple, par statut. Et ça, je vais changer cette méthode-là dès maintenant. Donc je sais qu'à présent, dès qu'on a fait l'exercice là, sur place, j'ai eu des gens qui ont contacté à demander est-ce que le produit est disponible sur la page qu'on a publiée tout à l'heure. Donc ça peut te donner beaucoup d'expérience, beaucoup d'espoir par rapport à les prochaines étapes qui vont venir. Pour moi, c'est une solution à la fois aussi, c'est des acquis. Que nous venons de recevoir de notre partenaire Enabel. Parce que c'était nouveau pour nous, vraiment de pouvoir vendre nos produits en ligne. Ça, c'est un acquis qui nous a réconfortés et qui peut vraiment faire des performances dans nos entreprises. J'ai aussi été très contente du fait que j'ai appris mon équipe Ndiota Diang application Canva. Parce que puisque dañ doon jël suñu logo diko joxe ñukoy defal à travers Canva dina la permettre nga top jël sa temps inspiré wu ba am sa logo bi nga xamné mom mo la gënal légui du coup soko jëlé après tu vas le mettre en valeur wax nañu tamit naka lañuy def ba ñun logo bobu non ñu mën ko personnaliser parce que on savait pas cela à 100% que logo bi boko défaré ba paré da ngay dem ñu woné na la yow ñi yow ya ko mom. Mais à travers Sodab et autres, nous avons fait notre logo. Grâce à l'aide de Nico Babacar, nous permettons d'avoir une identité visuelle pour nous maintenir. Nous avons fait notre logo. Cette formation, je le disais, vient à la suite d'une autre.
qui a duré plus longtemps, qui a duré pendant 3 mois à travers donc une pédagogie active et la classe inversée à travers des outils innovants que nous appelons la DigiBox. Cette formation vient compléter plus ou moins cet outil, ce dispositif que nous avions déjà dans ce programme Direct. Et donc, à travers cette action, nous faisons donc une activité ciblée sur des femmes, nous faisons une activité ciblée sur des toutes petites entreprises et surtout une activité ciblée en coordination, en synergie avec le portefeuille bilatéral de la coopération belge et notamment, comme je le disais, le pilier 1. Le pilier 1 a accompagné donc 110 TPE en accélération sur leur productivité agricole. Et donc, nous venons faire un complément à cet accompagnement sur la productivité pour leur permettre justement d'ouvrir leur marché, de pouvoir contacter et de pouvoir se connecter à d'autres réseaux de distribution en dehors de la vente physique qu'elles font, ces TPE-là, notamment à travers les foires ou à travers les grandes surfaces, de pouvoir se connecter au monde et de pouvoir se connecter aux millions de Sénégalais qui ne sont pas justement dans les 4 régions, mais qui sont dans tout le Sénégal. L'objectif principal, effectivement, c'est cela, de donner donc cette capacité à cette TPE, donc à ces 15 TPE, de pouvoir élargir leur marché et saisir de nouveaux canaux de distribution. Ce projet est mis en œuvre, donc je le disais, par l'Agence belge de développement INADEL et consiste à accompagner la transformation digitale. Et sur ces 200 entreprises, 10%, donc 20 PME, ont été retenus pour tester en mode pilote des outils numériques pouvant améliorer donc leur pratique entrepreneuriale. Donc nous avons 5 solutions. La première, c'est Google Workspace qui permet aujourd'hui aux entreprises de gérer les emails, de pouvoir échanger avec d'autres entreprises, de pouvoir échanger entre eux, de planifier, de gérer leurs documents à travers Google Drive et de pouvoir aussi se planifier et faire certaines actions de marketing comme Google My Business. Nous avons 2 autres solutions aussi métiers, à savoir Toldi, qui accompagne les entreprises qui sont dans la production pour pouvoir venir gérer leurs champs. Nous avons Mnouma qui va être présenté ce soir aussi, qui permet de gérer aussi bien les coopératives que les différentes entreprises qui sont dans l'agriculture et la transformation. Et nous avons une dernière solution, c'est Safe50, qui permet de gérer la comptabilité et tout ce qui est gestion commerciale. Donc ce sont les 5 solutions qui ont été choisies. Ces 5 solutions vont permettre de satisfaire les besoins exprimés, en tout cas de façon prioritaire par ces entreprises-là, pour pouvoir se digitaliser, pour pouvoir travailler beaucoup plus facilement avec leurs employés, pour pouvoir beaucoup plus facilement gérer leur comptabilité et leur processus en interne. Donc principalement, c'est ça. Nous avons fait le diagnostic, là, nous avons les 5 solutions. Nous allons commencer l'implémentation de ces solutions-là à partir de la semaine prochaine. Mon nom ici, c'est une marque de place. Il y a un moment donné, il y a un projet. La next production, la next transformation, nous venons créer ça dans l'espace. Nous sommes là.
Donc là, quand je moi, il y a 10 ans. On a plus de 10 ans. Donc, nous avons une plateforme pour vous dire une plateforme pour déployer en ligne. Pour avoir des idées, pour que vous puissiez vous dire si vous avez assez avec vous. Pour maintenant, nous avons une plateforme pour plateforme qui est en ligne. C'est sur la relation producteur coopérative. Donc, producteur, nous avons une plateforme coopérative. Pour avoir des idées, nous avons une plateforme pour vous dire que vous avez un plateforme. Des solutions de gestion adaptées à votre activité. Une solution vient répondre à cette activité. Par exemple, il y a une bonne idée de vous, en gestion comptabilité. Il faut me dire la solution, mais de toute façon, que comptabilité, il va répondre à vous, il va répondre à vous, il va fonctionner, il va répondre à vous, il va répondre à vous. Donc, il faut bien comprendre aussi que la solution 750 doit faire un net module, un module qui permet de gérer cette directive à l'IA. On a besoin de permettre les gens de prendre la vitesse à toute mobilisation pour un cas où il y a du matériel comme tu m'as dit, un tracteur, un violon, il faut que je vais. Nous avons une solution. Peut-être que nous avons identifié en 45 minutes, nous avons une solution. Nous avons une solution, nous avons une solution. Donc, nous avons une solution. Je vous ai dit, nous avons une solution, nous avons une solution. Nous avons un genre de partenariat avec les grandes surfaces, les EDK, les Auchan. Il faut que nous avons un produit. Nga jënd ko mo gëna yomb ko nga gis ko en ligne dina am ñu koy gis en ligne de bëgg ko mais dinañ tayal pour commander ay ñaari produits ak ay ñett produits yo xamné comme les produits laitiers qui sont tellement sensibles mu quitter ben zone bo xamné ni c'est un peu favorable pour aller dans les zones très chaudes légui da ngay am ay véhicules spécialisés pour la livraison ou bien nous intervenons sur la phase 2 qui est de nous assurer que, au-delà des compétences, ces PME sont dotées de solutions effectives qui répondent à leurs besoins et qui peuvent utiliser au quotidien, mais de manière totalement digitalisée. Donc cet atelier que nous animons aujourd'hui est une étape primordiale dans l'exécution de ce programme-là, qui est un atelier de présentation des solutions qui ont été shortlistées pour justement répondre à ces besoins-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que sorti de cet atelier, nous aurons une idée très précise et validée par les entrepreneurs qui l'auront découvert aujourd'hui en démonstration, des solutions qu'on va implémenter à la suite. Donc ça correspond à la dernière étape du programme. Nous allons les appuyer, les accompagner dans l'implémentation de ces solutions-là. Donc nous avons les intégrateurs qui sont des locaux, des Sénégalais qui apportent ces solutions justement, des start-up et des PME. Et à travers ces solutions qu'ils proposent, nous allons les appuyer, les entrepreneurs pour qu'ils puissent s'en doter et dès demain être totalement digitalisés dans leur process et leur quotidien.